Good morgen, allez, Iden, les suisses aujourd'hui, le nom de Nishmat Marlouf, Mirabeno, Asoda, Nachman, Yosef, Ben Achum, Avram, Chenor, Ben Fortune, Mazaldo, Ben Yudit, Anissan, Ben Mafret. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, quand il y a 5 minutes éternelles, nous étudions ma serre Tamid, Perik He, Mishnah Dalet. Mishézacha Baktoret, Ayanotel et Akaf. Vakaf, Domet, Arakav, Gadolushal Zahav, Machazik, Shloshet, Kabin. Vakazach, Haya, Betocho. Malev et Gadouch, Ketoret. Vakisou, Yayalo, Okemin, Metutelet, Aya, Alav, Mile, Malan. Un petit rappel, on s'occupe de l'avodot du Beth Amikdash du matin. On a désigné d'abord au premier tirage au sort qui allait faire la première avoda de lever les cendres de la Mara Chagdola pour aller verser au Makom Adeshen. Après, on a organisé le bûcher. Après, on a tiré au sort maintenant qui allait mériter de faire le Korban Tamid, faire la Shrita, la Zrika, faire monter les membres sur le Mizbeach, et aussi, qui était désigné pour préparer le Mizbeach Hazav et la Menorah, préparer vider les cendres. Après, une fois qu'ils avaient fini de faire la Shrita du Korban Tamid, ils déposaient les membres sur le Kevesh, ils s'étaient tous réunis dans la Lishkat Hagazit pour lire le Kirat Shema, et puis ensuite, on avait désigné au sort, deux tirages au sort supplémentaires dans la Mishnah, Bête de notre Pérec, où on avait tiré au sort qui allait faire la Ktoret, et après on avait tiré au sort qui allait finir de faire la Voda, de faire monter les membres qui étaient au milieu du Kevesh de la rampe pour les faire monter sur le Mizbeach. Maintenant, là, on va s'intéresser maintenant pour les trois prochaines Mishnayot à la Ktoret précisément, comment est-ce qu'il fallait le faire. La Mishnah m'enseigne Mishesacha Baktoret, celui qui a été désigné pour apporter la Ktoret. Hayanotel et Takaf, il devait prendre la cuillère. C'est quoi cette cuillère? C'était la cuillère, bien évidemment, l'ustensile où se trouvait l'actorette. Mais comment se présentait cette cuillère, si on peut dire, en fait, c'était bien plus qu'une cuillère. C'est une marmite assez grosse quand même, comme on va le voir. Ve'akaf domé le tarkav gadol shel zahav. Et cette cuillère ressemble à un tarkav, qui était une grosse mesure, on va faire le calcul tout de suite. Tarkav, c'est trève et cave, ça veut dire deux caves et un cave, trois caves en tout. Tarkav, Gadol, un grand Tarkav de Zahav, d'or. Machazik, Shloshat Kabim, qui contenait trois cabines, une taille de trois caves. Et à Bazar, Haya Betocho, il y avait dedans un petit bazar. Un bazar, c'est un petit ustensile qui avait dedans la Ktoret. Malev et Gadouche Ktoret, qui était rempli et bien tassé de Ktoret. Et si déjà je traduis toute la Mishnah comme ça, on s'occupe de refaire de l'ordre, surtout en même temps. Mais Kisou Yayalo, et il y avait sur lui un couvercle. La question c'est, est-ce que c'est sur le petit bazar ou sur le grand caf? On en reparlera dans quelques secondes. Ou Chemin Metutelet, Haya Alav, Mile Malan, il y avait au-dessus un petit Metutelet. Alors là c'est compliqué, soit c'était un anneau pour l'attraper, soit au contraire c'était un petit morceau de tissu qui était collé. Et on va bien évidemment expliquer chaque chose à sa place. Tout d'abord, le Kohen, il a été désigné pour faire l'actorette, donc il fallait lui apporter l'actorette. L'actorette, concrètement, c'est ce petit bazar là, le tout petit ustensile qui est rempli dedans, qui est rempli d'actorette. Il va devoir rentrer avec lui dans le Echal et le verser sur le Mizbeach Hazav, comme on va voir avec l'autre, à part ça, une pelle de cendres qu'on verra dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, on s'intéresse sur le petit bazar. Lui, c'est un petit ustensile. Il y avait une taille de 1 mané, comme ce qu'on dit dans l'actorette. Ouais, mané becholium, un mané, pas un mané, excusez-moi, un demi-mané, puisqu'on faisait, on prenait une taille de un mané. Un mané, c'est une pièce de l'époque, je ne sais pas exactement combien c'est, j'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé comme ça facilement. J'en ferai des recherches à Bezrat Hashem, j'espère que je ne l'aurai pas construit au Beth Midrash, pour vous dire exactement quelle taille, mais c'était vraiment une petite, c'est-à-dire pour comparer avec une taille de kazaït et de kabeïta qu'on connaît. Là, c'est un volume qu'on ne connaît pas tellement, c'est une taille de un mané, une grosse pièce de l'époque, peu importe, imaginez. Mais en tout cas, cet ustensile-là, il devait être rempli, malé les gadouches, rempli et bien tassé de Ktoret, qu'il soit bien rempli de Ktoret, et en fait, il allait le prendre et les verser sur les cendres qui allaient être sur le misbar, comme on le verra plus tard. Maintenant, le problème, c'est que cet ustensile-là, il est très rempli, il est rempli de Ktoret. La Ktoret, elle est très 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 fine, parce que quand il fallait bien la piler et la moudre, Hadek etev etevedek. Il fallait bien la moudre. Donc elle était très sensible. Elle pouvait facilement se renverser. Donc du coup, on prenait cet ustensile, on la mettait dans un très gros ustensile qui était la CAF.
cette fameuse cuillère qui avait une taille de tarkav, de trevekav, ça veut dire trois caves, comme la Mishnah me dit, trois kabim. Elle était en or. Trois kabim, vous vous rappelez, eskalav. Eifa, sea, kav, log, beitza. Et on a les coefficients gudo. Eskalav, gudo, c'est le moyen mnémotechnique. Eifa, sea, kav, log, beitza. Gimel, vav, dalet, vav, gudo. Et donc on se retrouve avec le kav, c'est lui, et le beitza, c'est lui, avec dalet et vav. Un kav, c'est 24 œufs. Faites 3 caves, ça fait faire 3 fois 24. Si je ne me trompe pas, ça fait 72. Et ben voilà, ça fait une taille de 72 œufs. Vous imaginez le volume? Un œuf, c'est à peu près 56 samak, centimètres cubes. Et voilà, vous avez à peu près plus ou moins la mesure de ce que c'est un tarkave. C'était un kli qui était en or, qui était... La Michel insiste en me disant qu'il était grand, parce qu'en fait, on avait déjà évoqué plus haut un autre tarkave à propos du tennis, où il fallait vider les cendres du misbeach, où il a celui, c'était un tarkave, mais qui contenait pas, en fait, trois caves, juste deux caves et demi. Mais là, c'est un tarkave qui contient réellement trois à l'intérieur, même la contenance, elle est de trois caves. Et elle était entièrement en or, comme ce qu'on a dit. Donc, on a porté ce grand ustensile, avec dedans le petit bazar, comme ça, si ça se renverse, ben, tu peux le récupérer, tu le reverses dedans. Ok? C'est pour ça qu'il fallait cet ustensile. Maintenant... La Mishnah me dit, il avait un kisouï, il avait un couvercle. La question, hein, c'est une question technique un peu embêtante, c'est de savoir à qui il y avait ce couvercle et pourquoi est-ce qu'il fallait ce couvercle. Alors on va commencer d'abord par la question du pourquoi il fallait ce couvercle, c'est beaucoup plus facile. Pour que l'acteur ait deux raisons, il rapporte le Melechet Shlomo cette fois-ci, il a fait un super travail sur la Mishnah, bien plus que tout le monde. Il a rentré dans beaucoup plus de détails cette fois-ci. En m'expliquant d'abord pourquoi est-ce qu'il fallait un couvercle. D'une part, pour que l'odeur et l'arôme de la ktoret ne s'évaporent pas, premièrement, et même deuxièmement, parce que, comme je vous dis, elle était très très fine, la ktoret, et il pouvait facilement y avoir une impureté qui allait tomber dedans et se mêler. Il pouvait y avoir une petite poussière qui allait tomber dessus, un petit insecte, un petit peu importe. Donc du coup, il fallait bien la protéger, qu'elle soit à 100% la pure à 100%, qui n'est pas au grain, qui n'est rien d'externe, qui vient se mélanger dedans. Donc du coup, il y avait ce petit couvercle. Maintenant, ce petit couvercle-là, la Mishnah... Oh, il y a une petite discussion, parce que le couvercle, il était sur le bazar, ou bien c'était un couvercle sur tout le kaf. Il y a le Bartanora, il nous dit, regardez, mais qui sont, il y a l'eau, la bazar, sur le petit bazar, sur la petite kaf. Sur ça, il se fait inonder de questions, parle essentiellement le Tiferet Israël, qui nous dit à quoi ça sert, il n'y a rien, qui dit plutôt... D'accord, quelques petites questions, quoi, concrètement, si elle est très remplie, pourquoi tu rajoutes un truc? Pourquoi? D'accord, laissez tomber. Lisez, quoi, vous verrez, c'est compliqué, parce qu'il pose des questions, mais elles sont toutes répondues plus ou moins, donc je préfère pas m'engager dans des chemins pas clairs. Le Titer d'Israël, le Tosfot Yom Tov rapporte, lui, quant à lui, que le Kisou, il était tout simplement sur la grande CAF, sur la grande CAF, et on protégeait le tout de la sorte. Maintenant, un autre petit détail, pourquoi est-ce qu'il fallait, ce Kemin Metutelet Haya Alav Mil Malan, sur ce petit couvercle, il y avait une petite Metutelet. Metutelet, il a deux interprétations, il rapporte le Bartanura, soit c'était une petite Tabat, il avait une petite, comment dire, un petit anneau pour pouvoir le lever. Bon, d'accord, c'est clair, pourquoi insister pour me le disant, je sais pas. Deuxième interprétation, c'était en fait, non, il y avait un petit bout de tissu qui était collé dessus. Et d'où la question, alors, pourquoi un bout de tissu, quoi ça sert? Ça sert pour faire office de couvercle avec lequel tu vas l'utiliser pour le lever. Mais pourquoi ne pas mettre une vraie bague dans ce cas-là? Alors sur ça, on a le Melechet Shlomo qui nous rapporte de nouveau au nom du Ra'avad, qui explique qu'en réalité, vous rappelez, on avait dit dans la Mishnah précédente que, dans une Mishnah bête, on avait dit que la Ktoret c'était la Zgoula pour les pauvres pour devenir riches. Les pauvres, ils se confectionnent des habits en racolant des petits bouts de tissu. Ouais, un trou par ici, on colle un bout de tissu, puis un trou par là, on rafistole un vêtement. Donc du coup, on va faire le couvercle de la Ktoret en lui rappelant sa pauvreté, en lui disant, sache que maintenant, ça va derrière toi, tu vas devenir riche. On lui mettait comme ça un petit bout de tissu pour lui rappeler que la Ktoret, elle va être Messougolette, pour lui faire oublier, pour lui faire changer de lui apporter le mazal de la Parnassa. Et on a fini. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de sachakoltou. Salam.